Paris, que s'achève cette première partie de Scoop. Attention, il nous reste encore pas mal de choses à découvrir. Petit jingle et on se retrouve tout de suite après. Mohamed Yassine attend avec impatience la fin de l'écriture de la deuxième partie du feuilleton El Gamera, qui est écrit par Wahid Hamid. El Gamera, ça raconte la confrérie. El Gamera, c'est la confrérie des frères musulmans. Et en fait, dans la première partie du feuilleton, qui a été diffusée il y a déjà 3 ans environ, on racontait toute la vie de Hassan el-Banna, qui est le fondateur de la confrérie des frères musulmans, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. La deuxième partie va se concentrer sur un autre penseur des frères musulmans, il s'agit de Sayyid Qutb. Comment Hassan el-Banna a laissé la confrérie des frères musulmans? Comment Sayyid Qutb a récupéré cette confrérie des frères musulmans? Et qu'en est-il devenu jusqu'à aujourd'hui? Donc on va voir un petit peu ensemble sur 2 saisons. La première saison qui a été diffusée, la deuxième saison donc, qui va être terminée, puisque Wahid Hamid apporte les dernières touches. Et c'est Mohamed Yassine qui va diriger et qui va réaliser cette deuxième partie. Comment la confrérie des frères musulmans a évolué au fur et à mesure des années pour être aujourd'hui de nouveau interdite en Égypte après un règne un an en Égypte de 2012 jusqu'à 2013, dans lesquels les frères musulmans ont eu le pouvoir, un pouvoir qu'ils ont malheureusement pas utilisé de manière intelligente et surtout qu'ils voulaient frériser tout le pays. Donc aujourd'hui les frères musulmans sont partis pour de bon. Il y a évidemment des partisans, des frères qui sont encore présents, mais
à la tête du pouvoir, Mohamed Morsi n'est plus présent et la confrérie surtout est aujourd'hui interdite d'activité et tous les fonds sont gelés. Donc si vous voulez connaître un petit peu plus l'histoire et l'historique de la confrérie des frères musulmans avec cette idéologie qu'a commencé à perpétrer Hassan el-Banna jusqu'à sa mort et puis après Saïd Ould, je vous conseille très vivement d'attendre très prochainement donc de voir la deuxième partie du feuilleton El Gamer. قال ايه عشوائيات وهو مين اللي عمل العشوائيات عقول عشوائيه ولعلمكم العشوائيات ابتدت في البلد دي من بدري هي المساكن الشعبيه اللي حوطت القاهره في عزها كانت ايه كانت بدايه العشوائيات اياميها الناس فرحوا بيها واحنا بنفرح باي حاجه بنفرح لما تهب علينا نسمه بارده في يوم حر كان يجرى ايه لو كانوا عملوا شقق واسعه وشرحه عشان تسع العيله مسكينة يا بلد ou le prince, est né le 28 mars 1928 à Alexandrie d'une mère à moitié turque. Adel Mohammed Hassan Adham avait quatre frères et sœurs. Il a fait ses études secondaires à Victoria College. Très jeune, il se passionne pour les sports de combat comme la boxe et la lutte, mais aussi pour la natation. Adel Adham est connu pour avoir interprété des personnages maléfiques et mystérieux, voire ambigus. Il a commencé sa carrière dans le monde du 7e art en tant que danseur dans le film Leïla, fille des pauvres. Alors déprimé, Adel Adham s'est éloigné du travail cinématographique. Au bout d'une carrière brillante, Adel Adham a joué dans de grands succès, des films qui ont marqué l'histoire du cinéma égyptien. On se rappelle bien de son rôle dans Sarsara Fawq al-Nil ou Dérive sur le Nil, un film basé sur l'œuvre du lauréat du prix Nobel de littérature Naguib Mahfouz et tourné en 1971. Ce film est un profond regard sur la décadence, la confusion de l'après-guerre de 1967 durant la fin de l'ère Nasser et un portrait de la société égyptienne. Parmi ses grands succès figurent aussi Al-Maghoul ou L'Inconnu aux côtés de la diva Saneh Gamil. Il a aussi joué des rôles très impressionnants dans Supermarché, Sawaq al-Hanem et Al-Intikam. Adel Adham a reçu nombre de prix, dont le prix de l'Association égyptienne des écrivains et des critiques, le prix du Festival arabe à Los Angeles et le prix du Festival international d'Alexandrie en 1994. Adel Adham s'est éteint le 1er février 1996 suite à un arrêt cardiaque. Thank you.
Calimène. Et vois comment on va là. C'est ainsi que prend fin un scoop. Merci à tous de l'avoir suivi. Attention, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, avec encore plein d'autres nouvelles concernant vos acteurs, actrices préférés, bref, tout le monde du 7e art. D'ici là, passez une excellente soirée sur Nal TV. A très bientôt. Au revoir.